Avertissement au chantre. Chers amis, je vous prie d'avoir égard qu'ordinairement, dans la première impression, il y a des fautes, soit par mégarde de l'auteur ou de l'imprimeur, et que je ne suis ni docteur ni courtisan, comme vous savez, pour faire un livre éloquent, que la plupart des hommes font de pareilles œuvres pour se rendre recommandables ou pour gagner de l'argent, et que celle-ci n'est que pour notre divertissement, que ce qui serait trop peu pour un théologien est assez pour un musicien, que dans 3 mois, il est bien difficile d'emporter une maîtrise, gagner un bénéfice et composer un livre, comme j'ai fait. C'est pourquoi il vous supplie encore de juger de l'intérieur et non de l'apparence, de ce que je voudrais dire plutôt que de ce que je dis, que s'il agrée, j'aurai le courage de continuer, que s'il n'agrée pas, je serai bien aise de poursuivre pour couvrir mon défaut, que je vous avertis d'affection et non pas de haine, que qui aime châtie, qu'entre frères les offenses sont supportables, qu'il vaut mieux être repris et corrigé d'un camarade que d'un indifférent. Et si par hasard quelque chose vous fâche dans les avis que je vous donne, je prie les plus capables de me pardonner et les plus ignorants de se venger. Adieu.